avec Mao. J'ai appris la gravure en 79, donc ça fait un bout de temps, je vous laisse calculer. J'ai appris la gravure avec un grand maître de la gravure, qui s'appelait Jean-Claude Rénal, qui s'occupait d'un atelier de gravure à l'Union des Arts Décoratifs de Paris. J'ai la chance d'avoir une mère qui a fait l'école des Beaux-Arts de Nice, donc qui était céramiste. Donc j'ai vécu dans la céramique toute ma jeunesse. Et elle peignait aussi, elle faisait de la peinture. Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la gravure, moi c'est un souvenir, c'est quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait un livre extraordinaire qui est L'Enfer de Dante, illustré par Gustave Doré. J'ai toujours pensé que ces gravures qui étaient dedans, c'était lui qui les avait faites. Après, j'ai réalisé que c'était pas lui. Il a fait les dessins, c'est lui qui a illustré tous les livres, sauf que c'était fait par des maîtres graveurs. Je développe de plus en plus mon côté artistique, la peinture, la gravure, et je donne des cours. J'aime bien enseigner, j'aime bien transmettre en fait. C'est quelque chose qui me fait bien.